Salut, c'est Phaéton Bougre. Walter m'a demandé de t'expliquer comment je faisais pour adapter les thèmes musicaux de CDMM d'une saison à une autre. Alors, je vais te l'expliquer. Tu as peut-être remarqué qu'en effet, certains thèmes de la musique de CDMM sont les mêmes dans la première saison, dans la deuxième, mais ils sont légèrement modifiés. C'est le cas par exemple des génériques. Le plus simple, c'est de te les faire écouter pour que tu comprennes mieux ce que je veux dire. Le thème de comment devenir maître du monde dans le générique de la saison 1, c'était celui-là. Voilà. Du polar, guitare électrique, genre film policier, espionnage des années 70, guitare un peu claire, qui rappelle certains films, de la série des Tontons Flingueurs. Bon, voilà. C'est un petit peu l'ambiance de la saison 1. Voilà. Pour la saison 2, tu l'as peut-être remarqué, ça a un peu changé, notamment l'intro. Alors, tu vois, un petit peu plus grandiloquent. De l'orgue en intro, des voix, hein, il y a des chœurs dans le fond. Ça se veut un peu plus emphatique. Et l'orgue qu'on retrouve à la fin. Donc voilà. Un peu plus foutage de gueule, voilà. Bon. Le générique de la saison 3, eh ben, tu le connais maintenant aussi, c'est celui-ci. Cette fois, ce sont les synthés qui dominent. Un peu plus sombre de manière générale. Puisque cette saison 3, à l'heure où je te parle, elle n'est pas encore écrite, hein. Walter m'a juste donné quelques indications. Mais elle sera plus science-fiction, plus un peu plus sombre. Bon, tu auras remarqué sans doute, là ce sont essentiellement les instruments qui ont été changés. La partition reste la même, l'orchestration a été revue, dans les deux cas. Donc pour voir comment je fais ça, eh ben, le mieux c'est d'essayer de le faire sur un autre, le faire ensemble sur un autre thème. Par exemple, ce qui s'appelait Sky City et qui était la musique de la planète Oxymute, hein, la même musique qui servait de fond aux séquences avec le vieux crabe, Chacha et Bibi. Je te le remets en mémoire tout simplement là. Ça commençait comme ça. Voilà, c'était des violons essentiellement. C'était très lent, majestueux. Dans la séquence d'ouverture de l'épisode 1 de la saison 1, il y avait des cris d'oiseaux extraterrestres là-dessus. Il y avait des vaisseaux spatiaux. Là, c'est le thème récurrent des maîtres du monde. Thank you.
basson étant venu jouer la mélodie sur les nappes de violon. Le basson qui va être rejoint par des bois auxquels se sont rajoutés des pizzicati de violon et une harpe. Voilà. Alors, on va essayer de modifier ce thème, parce que le contexte a changé pendant la saison 3, d'après ce que m'a raconté Walter. Le vieux crabe et les deux filles, Chacha et Bibi, vont se trouver dans un désert, dans une sorte de vaste étendue de sable. Est-ce que c'est sur la planète Oxymut? Est-ce que c'est sur une autre planète? On n'en sait rien encore. Moi non plus, Walter ne l'a pas écrit, c'est un feignant. Et donc, on va essayer de faire quelque chose qui corresponde plus à cette ambiance un petit peu dune, si tu vois ce que je veux dire. Alors par exemple, on va changer le violon pour essayer de mettre une nappe de synthé. Hein. C'est pas mal du tout, sauf que ça ne répond pas. Si je garde que cette piste-là... Ça c'est très bien, ça fait très désert, c'est bon. Mais ça s'arrête. Alors que ma note, elle continue quand même. Ça doit être une nappe. Donc c'est pas ça qu'il me faut. Est-ce que ça... Il y a une tripotée dans Logic, donc on peut les essayer. C'est pas mal. C'est pas mal et ça correspond bien à l'idée de désert. Maintenant, ça manque de notes quand même, parce que c'est que du bruitage, ça. Ah, là on a la note, qui est assez torturée. C'est pas mal, on va éviter de le faire monter. C'est peut-être pas mal. On va peut-être commencer avec ça. Ouais. Ça me paraît bien sonner. Donc si nous remettons ça avec les violons... On va essayer de changer ces violons-là aussi, pour voir ce que ça peut donner. Qu'est-ce que... Ben, remettons des synthés, ça va être très bien les synthés. Mais là, comme il y a plusieurs notes, je vais jouer avec des pads plutôt. On va écouter juste cette piste-là. On entend bien la note. C'est peut-être pas mal ça, c'est peut-être pas mal du tout. On va essayer de mettre les deux en route.
Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Je pense qu'on va garder les violons en deuxième piste. Ce drone synth est bien, mais ce premier pipe chaos me semble un petit peu grinçant, un petit peu trop grinçant. On va essayer de trouver un autre jeu. Ah, c'est pas mal, mais il n'y a pas de notes. Et ça dure pas très longtemps. Essayons le robot radio DJ. Ça me plaît pas mal. Est-ce qu'il revient après ce... Ah oui, il revient là. Problème, c'est que pour l'intro, ça peut marcher, mais pour la suite, ça n'ira pas. Il faudra que je trouve un autre instrument à ce moment-là. Bon, partons sur cette base-là. Oh, je vais en essayer d'autres quand même. Ah non, ça c'est fini, trop court. Ça c'est encore très intéressant, mais beaucoup trop grinçant. Ça c'est pas mal, mais c'est trop bas. Ça va faire double emploi avec la deuxième ligne de violon. Encore que. C'est pas mal du tout. Alors là, c'est les violons qui ne vont plus. Problème, c'est que c'est toujours la même note quand même. C'est la même note. Donc ça n'ira pas non plus, parce qu'il faut que faut que ça change de note. Qu'est-ce que c'est que cet atterrissage d'ovni? Ça pourrait être pas mal aussi. Ils sont dans le désert, ils avancent sur une planète étrange avec un ciel orange ou vert pomme. Si la note change à la mesure suivante. Ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien, simplement il faut que je trouve autre chose qu'un violon là. Donc revenons dans les synthés. J'ai quoi là? J'ai une note. Ouais, j'ai une note. Je vais revenir dans les synthés lead avec par exemple. Non. Non. Oh, je pense que j'aime bien ça. Ça me plaît assez bien, ça. Ça fait un peu Vangelis.
C'est pas pour me déplaire. Donc ça n'ira pas de toute façon. Faut que je me crée une nouvelle piste sur laquelle viendra s'ajoindre là. Et on changera. Bon, maintenant. Oui, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, il y a encore quelque chose qui me dérange, je ne sais pas ce que c'est. On va peut-être continuer un petit peu hein, pour pas trop t'ennuyer avec tout ça. J'y reviendrai par la suite. Donc il faut que je trouve un instrument ici pour continuer. Je vais continuer dans les pads. Qu'est-ce que ça fait ça, Breathy Vox? Ah, c'est pas mal ça. Peut-être que c'est pas mal, essayons là. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Il faudra trouver un nouvel instrument à la place du basson pour le thème. Et à la place des pizzicati aussi. Je vais continuer dans les synthés, il n'y a pas de raison, hein, puisqu'on est parti à Vangelisons. Lead pour les... Oui, peut-être. Tiens. Non, c'est très moche. C'est moche, hein? C'est très moche. Alors, je vais fermer ce truc-là pour ne pas me laisser me déconcentrer et essayer du funk. Ah, ça c'est pas mal. En le mettant moins fort, ça pourrait être pas mal. Et alors à la place du... Ou alors je mets ça à la place du basson. Comment ça s'appelait ça? Oui, ça sera mieux à la place du basson. Comment que ça s'appelle ça? Analog funk. Dans les leads. Analog funk. Je coupe celui-là. Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est bon, et donc je trouve autre chose pour mes pizzicato. Mes pizzicato, je vais les faire en pad peut-être. Tiens.
Hé, ça pourrait être pas mal, ça. Faudrait que je change un petit peu le rythme aussi. Mais ça, c'est pas très fort quand même. Si je remets à zéro carrément. Non, je suis à zéro. Donc il faut que je mette un peu de compression là-dessus. Petit compresseur. Merci. Et on va sortir ça un petit peu plus fort. Un petit peu de gain à la sortie. 3,5 pour voir ce que ça fait. Maintenant, j'aime pas trop le souffle que j'entends là derrière. Est-ce que c'est là? Non. C'est sur ces violons-là qu'il va falloir que je change aussi. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. Mais je vais changer ces violons. Est-ce que c'est les mêmes qu'au début? Non. Voilà, Brady Vox me plaît pas trop. Et si je mets Celestial Organ à la place? Ça me plaît assez bien, ça. Ça me plaît beaucoup, ça. Sauf le basson. L'analogue funk me plaît pas du tout. Me plaît plus, puisque au début je l'avais trouvé vachement bien. Et monolide alors. C'est pas mal, mais c'est pas terrible. C'est pas mal. C'est pas mal, mais j'entends un peu trop de. Peu trop de sibilance. J'ai déjà essayé ça l'autre jour. Ouah, non, 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 c'est pas ce qu'il me faut. En quoi on peut déconner quand même? Ah! C'est pas mal. Est-ce que ça correspond à l'idée de la scène avec vieux crabe Chacha et Bibi marchant dans le désert? Ça peut aller avec les tempêtes de sable. Ça, c'est pas mal l'arrivée de ce truc-là. Si je le mets un peu moins fort. C'est peut-être pas mal.
Faut que je me prévoie une version plus tourmentée aussi. Bon, ce violon-là va plus du tout, là. Ce funk splash ne va plus du tout. Ça, c'est bien. J'adore la note haute, là. Bon, il faut que je change ce funk splash lead. Écoute, hein, on va dire que je vais continuer un petit peu tout seul. Et puis, quand j'aurai quelque chose qui tient la route, je reviens te voir et je te le montre. Ok, on fait comme ça ? Eh ben, on fait comme ça. Mm-hmm.